Salut à tous, c'est Recalcos. On est parti pour un nouveau let's play. Je m'attendais à un petit truc de titre, etc. Mais ça commence direct là par un appel entrant du professeur Euphorb de la région d'Alola en petit caméra. Donc ça doit être une vision Vodafone Line. Donc je suis déjà tout de suite dans le cœur du sujet. Je m'y attendais pas du tout. Donc nouveau let's play. Pour l'instant, on sait pas encore le jeu. J'aimerais bien montrer le jeu quand même. Oups, pardon, juste une seconde. Bonjour, bonjour. Alors, tout est prêt pour ton grand déménagement à Alola? Alola est une région composée de plusieurs îles, un archipel en somme. C'est peut-être pour ça qu'on a tant de Pokémon originaux. Ah ouais, à Alola, on a tout plein de Pokémon vraiment cool. Ce sont de drôles de bestioles, ces Pokémon. On en trouve vraiment partout, du ciel à la mer, en passant par les grottes et les hautes herbes. Ah Lula, l'entraide, c'est vraiment le mot qui décrit le mieux notre relation avec les Pokémon. Il y a même des dresseurs Pokémon, disputer des combats Pokémon, c'est leur hobby. Rocabo, du calme, je dois faire quelque chose d'important, je m'occupe de toi après. Enfin bref, j'ai besoin que tu confirmes deux ou trois trucs. D'abord, c'est laquelle ta photo déjà? Donc salut Coronetto, salut Alcimon au passage, hein, je préfère mieux vous le dire pendant l'enregistrement. Hein. Vous êtes là, vous attendez justement que je fasse ce let's play. Donc c'est le let's play, bon on voit pas le Pokémon auquel je suis en train de jouer, donc on sait que c'est un Pokémon. Il s'agit de Pokémon Soleil et Lune, et plus précisément c'est celui du Soleil. Et déjà, on commence déjà à être à fond dans le jeu. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à un titre en mode configuré deux trois trucs. Mais enfin bref, donc ça je sais. Hein. Alors personnaliser. Est-ce que je suis déjà une fille ou un garçon? Alors là, c'est direct. Est-ce que t'es black? Est-ce que t'es blanc? Bon, allez, on va la faire. Eh bien celle-ci, oui. Ensuite, c'est à toi d'enregistrer ton nom. Ça m'ennuierait de faire une pause. Votre nom. Alors là, pour l'instant. M'embête déjà, je vais jouer avec les touches directionnelles, ce sera mieux. Ah, il n'y aura pas de. Stop, stylet. La vache. Je peux pas mettre le 4! Là. Désolé, je connais même pas le nom du héros, hein. Ah, si, je pouvais mettre. Nickel, comme ça je le rends minuscule. Oh lolo. Alors excusez-moi quand même d'avance. Ça fait depuis la quatrième génération que j'ai pas vraiment joué à un Pokémon. Hein. Les plus jeunes. Holy Colcos, c'est bien ça. Oui! Parfait, je vais transmettre ça à tout le monde. Holy Colcos. Je t'imagine tout de suite en train de te balader dans les îles, en train de... Ah regardez, il y a un nouveau gars, il va venir chez nous, il va regarder sa photo, il s'appelle Ori. Ça, c'est du nom qui en jette. Bon, on se verra à Alola, hein, j'ai hâte. Les mecs, ils sont pressés de me voir, quoi. Mais quelques, il va falloir commencer à préparer les cartons. Pour capturer un Pokémon, tu dois les enfermer dans des Pokéballs. J'y penserai, j'y penserai. Part direct sur cinématique, c'est incroyable.
Ouais, ça enchaîne direct, hein. Cinématique, tu comprends pas, mais au moins il y a le titre enfin. Après avoir configuré comme Facebook, comme le dirait Kurunaito. 3 mois plus tard. J'espère qu'on m'entend pas respirer, ça serait cool. C'est notre maman. Ah, notre première matinée à Lola, le soleil brille, c'est tellement agréable. Attention, il y a Mieus à côté. Bon, c'est pas tout ça, mais il y a des cartons à déballer. Yahoo, sois un amour de Pokémon et va me chercher Ori. Hashtag c'est pas comparable. Nickel si son n'est pas présent. Donc ça c'est le Miaouss? Miaouss. C'est un Zelda, il dort! Pardon. C'est à moi de me lever, d'accord. Et c'est du pied gauche, allez, coup de pied au cul, pof, tu m'as réveillé, saloperie. Ah, on peut marcher uniquement avec ça, d'accord. Je m'habitue aussi à la 3DS, hein, c'est la première fois que j'en manipule un vraiment. Bon, je noterai la traditionnelle console génération qu'on a sur chaque Pokémon. Là, il s'agit d'une Wii U. Hein. On a la tablette de la Wii U. Alors là, on a les introductions. Je pense qu'on peut laisser tomber. Là, on a mes cartons. Ce sont des cartons qui n'ont pas encore été déballés depuis le déménagement. Super. Vous n'avez pas remarqué, les graphismes sont tellement jolis que je ne savais même pas que c'était des cartons. Là, j'ai un Métamorph. Le Pouf Métamorph et le Poképlumet. Préféré de Miaouss. Tous deux couverts de griffures. Saloperie! Touche pas mes jouets. D'accord, je vois le truc. Trop fort, c'est une poupée à l'effigie de Pikachu, le Pokémon souris. Électrique, merci. Que des Pika Génération, on a eu pas mal. Pas ta maman, c'est juste qu'elle s'appelle maman. On a d'accord. Pour un autre. Elle va m'engueuler, j'ai pas le droit de ranger mes cartons. Eh bien, mon chéri, tu dormais comme un ronflex. Maintenant que tu as récupéré, tu dois être d'attaque. Allez, va fuguer. Je parie que tu as hâte de découvrir les Pokémon d'Alola. Oh, largement. Je connais pas. Ah oui, maman a drôlement hâte, elle aussi. Youpi! Ah, super, elle est tellement humble qu'elle se parle à la troisième personne. Alola, c'est vraiment une région paradisiaque. Je suis sûr que tous les Pokémon d'ici sont d'un naturel joueur aiguillé. Je vais pas faire ding-dong. C'est sûrement le professeur Euphorbe qui sonne à la porte. Tu parles, ça fait 3 mois qu'il m'attend. Il a montré ma photo à tout le monde. Peux-tu aller lui ouvrir? Pas du tout. Tu peux pas ouvrir, toi? T'es intelligent. T'as réussi à me chercher. Pourquoi tu vas pas chercher à la porte? Aujourd'hui, on va s'en mettre plein la lampe. Allô là, à vous là et bienvenue à Malassa Déguste, l'émission à croquer. Vous aimez les grosses portions, en avoir pour votre argent. Vous gavez comme des gros tichons de goulus. Ne cherchez plus, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Une Malassada Maxi. Allez, j'attaque. Non, ma parole n'en voit pas le bout. Je joue des maxillaires depuis 10 minutes et j'ai à peine entamé. Blah. J'ai l'estomac qui va exploser. Oh, pitié grasse! Et rendez-vous demain, même heure, même chaîne, pour plus de vomi. D'accord. Ici, ce sont des cartons. On est bien. Ah, je me suis trompé de porte. C'est la chambre de maman. C'est la première fois que maman a une chambre. C'est un pot de fleurs. C'est un lit de luxe! Putain. C'est le lit de Miaouss.
Ils l'utilisent pas beaucoup, ils préfèrent dormir sur le lit des autres, ou sur mon métamorphe pouf. Saloperie. C'est la bouffe du chat. c'est un lavabo. Non, c'est un évier, pardon. Le. Ah ouais, d'accord, tu viens squatter là. Je t'ai même pas ouvert la porte. Casse-toi de chez moi. Il doit être Henri Calcos, je parie. Bah oui, je t'ai vu ma photo, imbécile. Il faut dire que ça fait 3 mois. T'as tellement de personnes à et de Pokémon à faire des recherches. Ravi de te rencontrer en vrai, man. Moi, c'est Euphorbe. Content de vous voir ici à Alola. Ça a été le voyage. Pas trop fatigué par le décalage horaire? Quant à Alola, ça fait une trotte. Mais vous avez vu ce soleil, il tape, hein? Très cher professeur Euphorbe, nous sommes arrivés hier. Hey, salut! Bienvenue à Alola, chaleur et fun de tout ça. Professeur Euphorbe, je me souviens encore de vos combats contre les champions de Kanto. C'est en les regardant que je suis devenu fan de Pokémon d'Alola et que j'ai décidé d'emménager ici. Ouh, ça sent déjà. Ah oui, à la base j'étais venu à Kanto pour étudier les capacités des Pokémon locaux. Mais je me suis pris au jeu des combats, les champions m'en ont fait baver. Oh, Henri, si on allait visiter le village voisin, juste toi et moi. Type est complètement fou. Le doyen de l'île est là-bas. Qui sait, il te fera peut-être même un Pokémon. D'accord, bon, je sais ce que c'est qu'un Pokémon. Et le doyen, c'est le vieux. On va partir sur le fait que je connais rien. Dommage que tu n'as pas eu le jeu avant, tu aurais un Goinfrex en cadeau. Ah ouais, bah bon. Le jeu est sorti en novembre, mais il a fallu des mois pour tout mettre en place. Hein. Ouais, tous les enfants de Lily E reçoivent leur premier Pokémon des mains du doyen de l'île. Ah, c'est même pas le professeur qui me donne des Pokémon. Lui, il veut me pécho, c'est sûr. Avant de partir à l'aventure, le doyen ne fait pas que donner des Pokémon, c'est aussi un dresseur hors pair. Oh, le doyen lui donnait un Pokémon! Comme c'est gentil de sa part! Alors, du mal à faire les voix féminines, je suis désolé. Ori, prépare-toi vite à sortir. Allez, hop! Va chercher ton Pokémon! Va fuguer! Et n'oublie pas ton sac et ta casquette. Ils sont dans un carton, là, dans ta chambre. Et n'oublie pas de consulter l'ABC Aventure sur ton bureau! Ce qu'on appelle chez nous le guide du routard. Oh, tu portes la casquette comme moi! Trop cool, j'ai hâte de voir ça! La gamelle préférée de Miaouss, on trouve que ce modèle qu'à Kanto. Bon, j'évite de sortir sinon ils vont me gueuler. Oh, ta casquette! Cassez-vous, poussez-vous. Yeah, on va voir le guide du routard. C'est un carnet offert par Papa, il y a des instructions à l'intérieur. Règle numéro 1 de l'aventurier, ouvrir le menu avec le bouton X. Tellement roleplay! Pour enregistrer sa progression, sélectionnez sauvegarder. Bonne idée. Et vous sauvegardez la partie? Oui, route 1. Ah, c'est les mêmes noms de route que. Ça marche. Bon, les cartons, je les ai trouvés depuis longtemps, donc ça va. Parce que cette barbe, on se remplit tout le long du stream. Vous inspectez le carton de déménagement. Prenez votre casquette et votre sac. En quoi il y a des problèmes de pudeur avec le sac et le casquette? La casquette, pardon. Pas besoin de mettre un écran noir. Par contre, porter une marinière, c'est pas trop joli, hein, la Lula. Faudrait que je me change. Tu as tout ce qu'il te faut? Alors vas-y! Ta mamounette va ranger tous les cartons pour que la maison soit toute belle quand tu reviendras avec ton nouveau Pokémon. Super, j'aurais pas de déménagement à faire, bonne nouvelle. Trop cool le couvre-chef, ça te va bien. De toute façon, je vais marcher dans la merde, tu me ferais trop cool. T'as de la merde plein les chaussures. Ta mère a l'air d'avoir drôlement hâte que tu ramènes un Pokémon. Dans ce cas, cap sur Lily. On va aller voir le doyen qu'il te file un petit Pokémon bien cool. Ouais, appuyez sur ton télé pour ouvrir le parallèle appelé l'inventaire.
C'est trop cool! Ça me fait penser au type du reporter de Sorcerer Magazine dans Fairy Tail. C'est trop cool! Attention à la marche! Il est capable de dire c'est une boîte aux lettres. Chez Ori. Non, chez maman. Pas chez moi. J'ai une voiture! C'est un garage, mais je n'ai pas le permis. Merde. Ballot. Bon, là, on peut constater que. Ils ont vraiment bien mis à jour tout ça. Hein. Franchement, ça change. Hein. Hé, hey, où tu vas? C'est par ici! Je savais que je me faisais engueuler. Ne t'échappe pas! J'ai pas le droit de me balader. C'est dommage. Ils vont m'emmerder encore combien de temps? À nous deux! J'ai pas de Pokémon. Cache-toi derrière cette fougère! D'abord, laisse-moi te souhaiter à nouveau la bienvenue à Alola, le paradis des Pokémon! Ici, à Alola, les humains et les Pokémon vivent en harmonie et unissent leurs forces! Ouais, sauf que tu me laisses pas me balader. C'est simple! Dès que tu as un Pokémon avec toi, tu peux aller où bon te semble! C'est la liberté totale! Je viens de dire le contraire! Raison de plus pour aller voir le doyen au plus vite! Dépêchons-nous! En route pour Lihi, t'inquiète, c'est à deux pas d'ici. Allez, suis-moi. Oh, je suis jaloux, il a déjà un Pokémon, lui. T'as l'air d'adorer d'arpenter les sentiers à la Lola, toi. Tu veux un bon conseil? Appuie sur le bouton B quand tu marches, tu iras bien plus vite. Oh là là, un conseil par un gamin plus jeune que moi. Re. Coup de pied au cul, il voit rien du tout. Kick. Là, il me fait oh, où tu vas? Tu peux pas y aller. Bonjour monsieur. La technologie ne cessera jamais de m'impressionner. Maintenant, tu peux échanger des Pokémon avec les gens autour de toi et les défier en combat à l'aide d'un simple bouton. On n'arrête pas le progrès. Non, sans mentir, c'est pas mal par rapport à XY. J'avais peur, mais là, les c'est pas des herbes, mais déjà, c'est déjà plus haut que moi. C'est cool. C'est un cacaoyer. Hey Yori! Alors, tu penses quoi d'Alola? C'est pas mal. Oh, c'est trop cool! Ouais, puis y a que des bonnes vibes ici. Et t'as encore rien vu! C'est normal, je te suis depuis tout à l'heure. Laisse-moi me balader. Oh oh! Regardez qui voilà! Un petit dresseur vient de chez nous! Et comment on les reconnaît? Professeur, dites-moi quelle capacité je dois utiliser pour gagner. Eh bien, la bonne capacité, c'est celle qui te paraît être la bonne, facile! Reviens me voir quand ton petit Pokémon aura appris de nouvelles capacités. On fera un combat pour voir! Ah, des herbes hautes! Les voilà, les terribles herbes hautes qui ne sont plus si hautes depuis XY. Comme tu peux le voir, tu peux t'aventurer dans les hautes herbes avec ton Pokémon pour tenter d'attraper des Pokémon sauvages. Mais une fois que tu as composé l'équipe de tes rêves, tu peux affronter d'autres dresseurs. Oh, je viens de voir un truc qu'on m'avait spoilé il y a longtemps, c'est un Miaouss. Un Miaouss dégueulasse. Un Miaouss d'Alola. En avant, ma glouton! Hey, le nouveau, viens te battre contre moi dès que tu pourras. Haha, y a pas à dire, les Pokémon, ça crée des liens. Bref, Lili est juste là, en route. Je veux dire que j'ai une ville qui a qu'une maison qui m'appartient. Merci, Captain Obvious. Je peux pas encore vraiment penser du jeu pour l'instant, tant que j'ai pas vraiment fini le tuto. Donc tant que le professeur Ford ne me lâchera pas la grappe parce qu'il trouve tout ça cool, je pourrai pas profiter. Et voilà, on est arrivé à Lily, tranquille. Les habitants de ce village vénèrent un Pokémon appelé Tocorico. C'est lui le gardien de l'île de Mele-Mele, où nous nous trouvons. Donc c'est la représentation de Maui, si je ne me trompe pas. Bah mince alors, oui Lily! Elle m'a pas posé un lockpin quand même!
Le lupin. C'est un lapin. De quatrième génération, ça va. C'est gentil de me donner les noms de Pokémon que je connais. Ah, elle a dû partir explorer le sentier de Mama. Mahaolo. Elle a dû exploser le sentier de Mahaolo. Derrière le village. Il y a de vieilles ruines liées à Tocorico là-bas. Ça doit être pour ça. Ori, ça te dérange d'aller voir le doyen de l'île tout seul? Je vais rester là au cas où mon assistant pointerait le bout de son nez. Nickel. Et t'en fais pas, le doyen, tu le reconnaîtras quand tu le verras. Les yeux. C'est pas un doyen, c'est un doyen, c'est quelqu'un de vieux. Le plus vieux. Il doit avoir une barbe. Lilihi, un lieu d'accueil pour les Pokémon. Allez, première ville, qu'est-ce qu'on a? Plein de maisons, plein de personnes à qui discuter, super. Tu devais pas aller voir ton assistante? Bon, au moins il me lâche la grappe, donc je vais pouvoir en profiter. J'aurais dit les cordes et pas les Pokémon. Eh bien, quelque chose t'intrigue aux ruines? Bon, allez, on va la faire roleplay, on va aller voir tout le monde quand même, hein, parce que sinon, je sais que c'est chiant, mais on va squatter chez les gens. Bonjour. Excusez-moi, je squatte, je suis nouveau. Ça va? Ne vous embête pas que je visite un peu. Putain, c'est sympa là. Je vais m'installer sur le canapé, bougez pas. Aujourd'hui, on va s'en mettre plein la lampe, plein la. Bienvenue à l'émission à croquer. L'émission où il dégueule, allez. Pas de bouffe. Bonjour madame, vous êtes en train de reproduire ce qu'ils m'ont à la télé? Tsurukabu était un Pokémon sauvage, mais il s'est bien habitué à la vie à la maison. Rien ne me rend plus heureuse que de le voir s'amuser avec ma fille. Qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Attendez, il n'y a pas un truc là? Ah ouais, je ne peux pas le ramasser, t'es derrière. Non, il n'y a personne. Bonjour la fille. Mon Rokabo, c'est le meilleur des gardes du corps. Il vient toujours avec moi pour faire les courses et il reste devant ma porte quand je dors. Bon, je pense que je vais éviter de faire les voix des petites filles parce que je suis pas doué. Donc tu t'appelles Rokado, ça marche. Non, c'est là qu'on les reconnaît bien ces Pokémon. Hein. Pour ceux qui savent par rapport à la première ou deuxième génération, la première génération, je pourrais faire quel est ce Pokémon? Tu vois une petite boule de poils, tu dis oh, c'est un Mélofée. Et au moment où tu les partes, ça, tu te sors un Nidoking. Rien à voir. Là, ça va. Je sais même pas si t'es une fille ou un garçon, toi. Je vais regarder sur le. J'adore les odeurs, on ne sait jamais sur quel Pokémon on va tomber. Avoir mes petits Pokémon à mes côtés me rend si heureuse. On mange ensemble, on joue ensemble, c'est un vrai bonheur. Ouais, super. Y a pas quelqu'un qui fait la gueule là, parce que c'est chiant. Mon petit frère adore se rouler dans la boue avec son Pokémon. Ah ouais, on en est là quoi! Jusqu'à se rouler dans la boue quoi, avec des Pokémon! Quand je les regarde, je me demande si c'est moi son frangin ou si c'est son Pokémon. Ouais, toi t'es plus mature, c'est pour ça. Lui il est pas mature. On s'en fout! Mon Rokabo adore frotter les cailloux qu'il a sur le cou contre ma jambe. C'est mignon, mais ça fait un peu mal quand même. C'est juste qu'il apprend à te dresser, c'est tout, hein, t'inquiète pas. T'en verras d'autres. Quand il évoluera, tu feras moins le malin. Oh, tu dois être le doyen, toi, t'es vieux! Non, c'est pas bon. Quand je laisse la fenêtre entrouverte la nuit, j'ai l'impression que le marchand de sable se faufile dans ma chambre pour m'endormir. Ok, tu parles tellement hors sujet. Votre mari a l'air sénile, madame. Pokémon ou humain, on ne dort bien qu'avec le ventre bien rempli. Après une bonne nuit de sommeil, on se sent en pleine forme au petit matin. Oh, c'est vachement utile ce que tu as dit. Ils me font trop peur les vieux. Plan A3 avec un Pokémon. on a squatté ici? Je vérifie. Toc toc. Non, on va pas squatter ici, il y a des nouveaux trucs. C'est une planche de surf. Mais je ne sais pas m'en servir. Nous avons tous une relation différente avec les Pokémon. Pour certains, ce sont des partenaires de combat. Pour les autres, ce sont de véritables compagnons de vie. Ouais, t'inquiète pas, j'ai regardé assez la série pour ça.
On raconte que nos ancêtres ont bravé les dangers des océans pour arriver jusqu'à Alola, avec l'aide des Pokémon qu'ils auraient développé cette région. D'accord. Oui, il y a eu un événement qui s'appelle l'invasion de Pearl Harbor. Bonjour monsieur, toi t'es aussi vieux. On dit que si les Pokémon nous sautent dessus dans les hautes herbes, c'est pour essayer de nous sauver. Quelles étranges créatures. Hashtag garde de voir sexy. Quand il fait beau, j'aime lasser le vent, diriger mes pas. Super! Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait me donner un conseil sympa? Pictorius, ce doyen de Mêlée-Mêlée, c'est le dresseur le plus balèze de l'île. Mais il n'est pas là pour l'instant. Peut-être qu'il entraîne un disciple quelque part. Bon, bah, on va aller à l'endroit qu'on n'a pas le droit d'aller, hein. Attends, ça s'appelle les ruines du conflit. Je préfère Liputo. Ah, on va peut-être en croiser à Lola. Alors, va bien les Liputo à Lola. Le sentier de Mahalo. Non, ça sert à rien. Attention à la marche. Il y a des petites herbes hautes ici. J'ai croisé un Pokémon. Apparemment non. Ils sont respectueux les Pokémon. Tant qu'on n'a pas de Pokémon, ils nous attaquent pas. S'il te plaît, ne sors pas du sac. Si quelqu'un te voit, nous aurons des ennuis. Veux un gros bisou? À direct quand on change direct de plateau maintenant. Le direct qui sort du sac qui se fait lyncher par trois pièces avec. C'est pas pourquoi. Mais c'est un Pokémon qu'on ne connaît pas. Évidemment, c'est scripté, c'est tout droit. Quelque chose ne va pas? J'ai besoin de ton aide. Sauve Doudou, je t'en prie. Mais comment je fais? Je note une très légère différence de graphisme entre le let's play du Pokémon Soleil et celui de Pokémon Bleu. Il y a une grosse différence quand même, Malsimon. Ces Piafabex sont en train de l'attaquer, mais j'ai trop peur d'y aller. Mes jambes refusent de bouger. Bon, t'as réussi à aller jusque-là. Bonjour les Piafabec, j'ai pas de Pokémon mais je vais essayer de me défendre. Le pont a l'air tellement stable que j'ai peur. Aïe! Pourquoi je tombe? C'est que mon premier jour, laissez-moi tranquille. Piou! Oh, quelle frayeur. Tu as encore essayé d'utiliser tes pouvoirs, mais enfin tu sais pourtant ce que ça donne. La dernière fois, tu étais tellement épuisé que tu n'arrives même plus à bouger. Je ne vais plus jamais te revoir comme ça, Doudou. Je me sens tellement coupable. Je sais que tu as fait ça pour me sauver la dernière fois. Et dire que moi, je ne suis même pas capable de te protéger.
Qu'est-ce que c'est? Okay, c'est comme un chien, ça trouve quelque chose par terre et ça rapporte. Tu as trouvé une pierre qui brille, Doudou? Elle est tiède. Merci pour ton aide. Merci du fond du cœur. Grâce à toi, nous avons évité le pire. Tu as ma gratitude éternelle, oui. Alors, un pont s'est effondré, j'ai failli tomber, j'ai croisé des Pokémon que je connaissais pas, et je pense que c'était le gardien de l'île qu'on voit que très peu. C'est toi la doyenne. Maintenant, mais... voilà, faire normalement. C'est toi la vieille. Bon, t'es qui? Cette pierre te revient, je suppose. J'ai quand même droit à une explication aussi, je m'en fous de la pierre. Vous recevez le visage d'un type. Ça doit être le doyen. Je sais pas, moi, ça fait un chapeau, deux yeux, une bouche et une barbe avec un truc rouge et jaune. J'ai trouvé le doyen, GG. C'est un objet rare, donc c'est un objet de quête. Hein. Pour ceux qui savent pas, les autres, ça fonctionnait comme ça. Sauf Pokémon Bleu où c'était le sac commun et que c'était limité, c'était chiant. Pourrais-je te demander de ne parler de ce Pokémon à personne? Je voudrais que tu gardes tout cela secret, c'est vraiment important. Mais tu es qui? Dis-moi qui tu es, après je ne dirai plus rien, promis. De toute façon, si je dis il y a un Pokémon, il va s'appeler Doudou, les gens ils vont se moquer de moi en disant mais c'est son surnom. Doudou, rentre vite dans le sac. Je suis sûr que le nom de ce Pokémon, c'est pas Doudou. Donne ton Pokémon à la place. Pas faux. Pardon, mais j'ai peur que Doudou se fasse à nouveau attaquer. Est-ce que tu voudrais bien nous accompagner jusqu'à la place du village? J'ai été tellement aussi utile que toi que c'est un Pokémon légendaire, je crois, qui nous a sauvés. Tu veux pas faire appel à l'autre Pokémon? Qu'est-ce qu'ils ont les gens? Est-ce que je les escorte? Oui, parce que quand vous sortez d'un lieu, ça fait... Salut, man! T'as trouvé le doyen? Ah bah non. Par contre, t'as débusqué mon assistante. Je vais faire les présentations, vieux motard que jamais. Ou plutôt, mieux vautard que jamais. Ça fait peur. Voici mon assistante. Ah, je m'appelle Lily. Lily, je te présente Ori, fraîchement débarqué à Lola depuis hier. Ouais, j'ai failli mourir au bout de 20 minutes. Je compte sur toi pour lui expliquer plein de trucs. Éviter les ponts, par exemple. Ils sont faibles. Oh, tu connais le professeur Euphorbe? Oui, il a ma photo depuis 3 mois qui balade partout sur les îles. Bien, ma foi, enchantée. Le doyen est de retour au rapport Pectorius. L'homme que le gardien a choisi. Le dresseur Pokémon dont la renommée s'étend à tout Alola. Je suis le maître. Bon. Pour l'instant, les cheveux, ça va. Ça prouve qu'il est vieux. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? Victorius, t'étais passé où, man? Euphorbe. Pardon, Euphorbe. Tu sais que je suis doyen, non? Oui, on n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure. Mon temps ne m'appartient pas. Je suis avant tout au service de l'île et de ses habitants. Ma petite Lily, que s'est-il passé? J'ai bien cru voir Tocorico s'envoler par-dessus la canopée. Bon, il nous confirme que c'était bien le Pokémon légendaire. Sympa, hein, franchement, cette aventure au bout de 20 minutes déjà. Oh, monsieur Pectorius, c'est mon petit doudou. C'est moi, elle vient de se fail. Elle me demande de garder le secret. Elle est en train de dire sur toute l'île, j'ai un Pokémon qui s'appelle Doudou. Il était sur le pont suspendu et s'est fait attaquer sauvagement par des Piafabec. Heureusement, cette jeune personne s'est portée à son secours sans hésiter. Mais le vieux pont s'est brisé. Fayotte!
Ce moment-là, j'ai eu très peur en les voyant tomber. Plus, quand j'ai dit faillotte, on voit que mon personnage, il a tourné en souriant. Espèce de faillotte. Par chance, le gardien de l'île est arrivé à plonger à leur rescousse. Wouah, c'est trop cool! Délire, j'ai failli mourir! Ça vous vient pas l'idée? Je suis tombé du pont. Un pont, vous savez, en plus, vous le connaissez ce pont, il a plusieurs mètres de haut. J'ai été sauvé par un Pokémon légendaire et vous trouvez ça cool au lieu de vous dire, ouh, ça va, tu n'as rien, tu n'es pas blessé, tu veux pas de Mercurochrome. Non, non, c'est trop la classe! Ma foi! Tocorico est pourtant un gardien bien capricieux. Il a décidé de les sauver. C'est parce qu'il n'avait rien d'autre à branler, quoi. Que notre jeune ami lui a tapé dans l'œil. J'ai rien fait. J'ai juste tombé du pont, quoi. Il a dû se moquer de moi, tu parles. Mon brave fort, c'est un excellent présage. Je pense que je devrais confier un Pokémon à ce jeune garçon au cœur tendre et vaillant. Nous allons en faire un grand dresseur. Enchanté, mon petit, je suis Pectorius, le doyen de Mêlée Mêlée. Je ne savais pas! Je ne savais pas du tout! C'est gentil pour les gens qui n'ont pas de mémoire comme moi. Moi, je sais vraiment qui sont qui. Mais je sais que d'ici la fin de la séance, je vais oublier les noms. Comme à mon habitude, quoi. On dirait plus amoureux, ce look de fou, je l'adore, le voyant. Bienvenue à Alola, j'espère que tu te plairas d'ici. Effort m'a beaucoup parlé de toi. Je suis très heureux de faire ta connaissance. Je le savais qu'il s'est baladé partout avec ma photo en disant regardez, il y a quel nouveau gars, il est trop cool, il va venir à Alola dans 3 mois. Excusez-moi, 2 secondes. Bon, bien, jetons un œil à ces fameux Pokémon. Commençons par le chouette Pokémon plante, j'ai nommé Brindibou. Ensuite, nous avons l'ardent Pokémon feu, Flamiaou. Et pour finir, l'épatant Pokémon eau, Hautaquin. Mais plus sauvé Doudou que toi, je pense. Quel va être ton choix? Ah, bonne question. Quel Pokémon choisis-tu? Voilà. On est d'accord, je peux descendre. Ouais. Donc, on me conseille Brindibou en plus, hein, en premier. Donc, on va dire que chez moi, j'avais une tradition, même si j'ai fait quasiment aucun let's play, c'est que tous les 3 générations, je faisais en sorte d'avoir tantôt un Pokémon plante, feu et eau. Sauf qu'on est à la 7e génération, ce qui fait que j'ai le choix entre les trois, quoi. Pour vous donner une idée, jusqu'à la 4e génération, parce que j'ai pas joué aux 2 autres. À la première, mais j'ai fait let's play, c'était Carapuce. À la deuxième, c'était Rissandre. À la troisième, c'était Arco. Ensuite, à la quatrième, j'ai pris Tortipousse. Donc là, 5 et 6, je ne sais pas encore qui c'est que j'allais choisir, mais bon, je ne les ai pas joués, donc il est possible que j'y jouerai peut-être probablement jamais de ma vie. Sauf exception. Mais je pense que si je veux jouer dans la logique, je pense que c'est Flamiaou qui devrait être choisi, mais par défaut, hein, pas par choix. Mon choix serait plus basé sur Brindibou, mais rechoisir un Pokémon plante dès le départ, après 3 générations, ça fait un peu répétitif. Bon, déjà, Hautaquin, dans tous les cas, t'as perdu. Hein. T'es éliminé, tu es le maillon faible, au revoir. Coronaito, désolé. Y a Alcimon qui est partant aussi pour le feu. Parce qu'on a Brindibou, il a l'air beau, mais je ne connais pas les évolutions. Et Flamiaou, je sais pas s'il est beau, mais en tout cas, déjà, il ressemble à Meleus, il me fait peur. C'est dur. Hein. Par contre, le phoque, merci, au revoir. Bon, allez, va pour Flamiaou. Un Pokémon feu, ça me ferait plaisir. C'est lui que tu veux. Oui. Il avait choisi Flamiaou. Bon, par contre, je vais respecter une autre tradition, mais là, c'est plutôt sur le stream, c'est de donner un surnom. Le dresseur choisit son Pokémon et le Pokémon adopte son dresseur. C'est comme ça qu'on obtient une vraie équipe. En fait, j'imagine trop, il va y avoir un jour une génération Pokémon où je vais choisir mon premier Pokémon, ce sera celui-là! Oh, il a décidé de te tourner le dos et de te chier un truc. Choisis-en un autre. Il me laisse pas le choix sur le starter. C'est comme ça qu'on obtient une vraie équipe. Je rigole s'il est shiny. Je ne crois pas.
J'ai une chance sur 1 million. Hein. Allez, mon petit, voyons si Flamiaou t'a adopté. Allez, viens. Flamiaou me fixe d'un air intrigué. Qu'est-ce qu'il me veut ? Viens ! J'ai des croquettes de miaou si tu veux. Tellement efficace ces croquettes. Il y en a une qui est pas trop contente que j'ai un Flamiaou maintenant. Vous prenez Flamiaou doucement dans vos bras. Sauf que je ne sens pas ma force. Je les trouve ! Vous avez tué votre premier Pokémon, choisissez-en un autre. Flamiaou, le Pokémon de type feu, vous renifle avec curiosité. Oh oh, Flamiaou semble t'avoir accepté comme dresseur. Tranquille, vous serez amis pour la vie alors. Je crois que j'ai tellement bien fait la voix du professeur. Voulez-vous donner un surnom à Flamiaou? Oui. Alors c'est dur, hein. J'ai jamais été doué pour les noms, ça va être long. Hein. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Hein. Alors, un Flamiaou, donc c'est un chat, fait du feu. Est-ce que ça se transforme en panthère? On va voir si ça va plaire, ça. Triplotari. Flamiaou vous pisse dessus. Ori, non, pas Ori. Ouais, j'ai trouvé Flamby, ça vous va Flamby? Appelle le colosse. Non, un truc en rapport avec les chats et le feu. Ou les... échafaudages. Le chat. Salut aussi à Axi Magique, j'avais pas vu. Flamby, je valide. Voilà. Ça a l'air de marcher le Flamby. Petit jeu de mots, hein, ça fait flan pour flambe. Et Flamby, bah, c'est un. Échafaudage, ça serait plutôt pour un chaffreux. Alors, il faut que je le note, mais le jour où j'aurai un chaffreux. Allez. Je l'écris pour un autre. Mais je vais l'oublier, c'est ça qui m'énerve. Il va bien, échafaudage pour un chaffreux. Bon, ça a l'air de valider. Bon, je pense que Flamby, ça a l'air bon. La coloscopie. Le coloscopie. Ne vous inquiétez pas, le jour où je trouverai un Pokémon qui ira bien avec vos noms, ça ira bien. Coloscopie, je vois un Pokémon de 5 ou 6ème génération qui pourrait aller. Bon allez, on va partir sur Flamby, on va pas rester sans trop longtemps. Ne vous inquiétez pas, hein. Vous aurez votre chance. C'est mon tout premier Pokémon, Alola. Voici donc le Pokémon que tu as choisi, Flamiaou. Doudou, tu es incorrigible. Le professeur et Monsieur Pectorius peuvent nous protéger en cas de danger. Mais en temps normal, évite de sortir du sac, d'accord? J'aime bien le Pokémon que tu as choisi. Prends-en soin. Ori, à partir d'aujourd'hui, tu es officiellement dresseur Pokémon. Et pour couronner le tout, j'ai un super cadeau rien que pour toi. Vous avez reçu un Pokédex. Direct, boum. C'est quoi ton meilleur Pokémon? Bah, Flamiaou niveau 5. Ah, si tu parles de la série, c'est Or et Argent. C'est le meilleur. Le Pokédex est un appareil high-tech qui enregistre automatiquement les informations sur les Pokémon que tu croises. D'ailleurs, les infos de Flamiaou devraient déjà être enregistrées à l'intérieur. Vas-y, jette un œil!
Et ça, c'est ton passe-dresseur. Je l'ai gardé bien au chaud en attendant ton arrivée. Le mec, il a fait son... Yeah. Il est génial. Non, franchement, il forme. Là, sur ce coup-là, j'ai dit pouce bleu. Parce que là, tu viens de me faire mon passeport pour Alola. Dommage, je t'embrasserai pas, hein, parce que tu m'as bien fait chier pendant tout le début. Bon, si on rentrait, montrer à ta chère maman ton nouveau pote. Et attention, vérification Pokémon. Oula, Poké détente, sauvegarder. Ah, voyons voir ce magnifique Pokémon. C'est un Flamby. Un Flamahou. Un Flamiaou. Et il est. Pas shiny. Spoil ton Pokémon évolue en gagnant des combats. Je prends note aussi. T'inquiète pas, j'ai fait un espèce de Pokémon bleu, ça doit pas changer. Bon, ça c'est les rubans, ça je sais, quatrième génération, tout va bien. Vous voyez bien l'écran du bas, tout va bien, nickel. Alors, le Pokédex. Pokédex d'Alola, Pokédex de Mele Mele. Alors, même si j'y ai pas joué, j'ai déjà vu sur Pokémon XY un Pokédex similaire. Tout va bien. Flamiaou est le numéro 4, ça veut dire que c'est le hibou qui est en premier. Et le Pokémon O est en général les trois derniers. Donc les Pokémon de Mele Mele. Ah, ça marche comme ça. Ah, c'est bien, on va voir toutes les îles. Alors, petite devinette, ça représente quelle île? Alors pour ceux qui savent pas, parce que je sais quand même, Alola est censé représenter toutes les îles Hawaï. Il y en a 5 au total, si je me trompe pas. Alors, à vue de nez, je dirais soit Oahu, soit Maui. Mais c'est à cause du volcan que je dirais que c'est plutôt Maui. Pour ceux qui veulent faire référence, faites référence aux îles Hawaï. Ça va d'en bas à droite avec Hawaï, ça monte vers Maui. Ensuite, ça remonte un peu, c'est Molokai. Après, vous avez Oahu et un peu plus haut, vous avez Kauai. Et oui, il y a une île qui s'appelle Kauai. Ça veut dire mignon en japonais. Alors, mon sac, nous avons une représentation magnifique du doyen. Une pierre qui a là sa forme. Mon passe-dresseur, c'est ma carte, si je me trompe pas. Wouah! Il y a 15 pages! Ça sert à quoi? Je ne comprends pas. En tout cas, il y a des photos partout, ça veut tout dire. L'aventure comme... Ah d'accord, c'est les chapitres. Vous avez fait le premier pas en tant que dresseur Pokémon. D'accord. Sympa le passeport. Et le Poké détente, c'est... Monsieur Scorodaito, excuse, c'est mon frère qui a dit ça. Ouais. Ça commence. Occupez-vous de vos Pokémon, faites-leur des papouilles pour devenir encore plus proche d'eux. Donnez des Pokéfèves à vos Pokémon. Oh! Des Dragibus. Il arrive que les Pokémon se salissent en combattant. Si c'est le cas, allez les nettoyer. Occupez-vous de différents Pokémon. Un Pokémon qui vous aime fera tout son possible pour exceller en combat. Ne le décevez pas. Ouh, t'es un mignon petit chat. Oh, pardon. Je t'ai donné une baffe? T'aimes bien quand je te caresse ici? Ouais, t'as l'air d'aimer, là. Ok. Excuse-moi, j'ai donné une baffe, je sais pas pourquoi. C'est comme ça qu'on dresse un Pokémon. Tu es mauvais! Paf! Bon, excusez-moi, j'ai la flemme de vous parler, ça commence à être long. On va aller voir maman. On va se dépêcher, le retour. Que tu veux voir la nature de mon Pokémon, ça marche. Je crois qu'il est du genre teigneux. Donc la nature Pokémon, je crois qu'elle existe depuis la troisième génération. Alors... Alors comment on voit sa nature? Discret! Je sais plus c'est quel stat qui est amélioré. Rencontrer le numéro 5. C'est beaucoup trop pété, je vais mourir dans ce jeu. L'amour avec les po Pokémon, ça commence par deux claques dans la figure. Qu'est-ce que c'est encore? Hé, toi! Ouais, toi là! On se fait un combat Pokémon? Je suis pas prêt. Oh oh oh! Mais enfin, Tilly, où sont tes manières? Commence déjà par te présenter avant de provoquer les autres en duel.
Ah ouais, c'est vrai, pardon. Chantez, moi c'est Tilly. Mon papé, c'est le doyen de l'île. Et mon Pokémon, c'est Brindibou. Ton Flamiaou a l'air super cool. Ouais, merci. Yeah, alors on se le fait ce petit combat Pokémon. J'ai entendu parler de toi. J'avais trop hâte de te rencontrer, je t'ai cherché partout. Alors là, vous imaginez que je refais les gros yeux au professeur qui a encore montré ma photo à tout le monde. Normalement, je n'aime vraiment pas voir les Pokémon se battre. Mais si c'est pour vous encourager, je vais bien faire une exception. D'accord. Déjà, ton premier combat, c'est trop ouf! Te prends pas la tête, balance quelques capacités, on verra bien qui gagne. J'espère que tu vas relever le défi de mon petit-fils. Ça lui ferait tellement plaisir. J'ai hâte de voir ce combat, je pense que ça va être fameux. Lui, c'est le chien de service, ce qu'on appelle un rival. Hop, est-ce qu'il est sur le côté? Eh non, t'en fuis pas, tu es une lopette. Bon. Allez, dis oui. Oui, comme ça tu me foutras la paix. Cool, ça va être trop bien. Donc c'est plus en attaque spé et moins en vitesse. Ouais, je sais pas, ça va voir ce que ça va donner. De toute façon, j'ai Flamèche, donc c'est bien. Le combat Pokémon commence. Mais y a pas une arène là-bas qui était mieux? Il y avait une grande place. Tilly, le dresseur, veut se battre. Excusez-moi, j'écoute juste la musique, hein, parce que je critique aussi un peu le jeu. Tilly envoie Brindibou. Bambi, go! D'accord, on peut fuir, non. On a le sac, on a les Pokémon pour changer, et on a les attaques. Je m'affiche juste parce que j'en ai marre d'utiliser mon stick. Ok, tout va bien. Bon bah ça va, c'est une attaque spé, Flamèche. Ah ouais, comme ça. On dit utilise charge. Bon, décidément, mon pauvre Flamby qui il s'est pris deux claques de ma part, maintenant il s'est pris une attaque charge de Brindibou. Un de ces jours, mon Flamby, il va prendre coup de boule, il va rien comprendre. Tout ça, c'est pouh! T'as pas de chance, t'as choisi un Pokémon plante, je connais déjà les faiblesses. Flamby monte au niveau 6. 2, 2, 1, 2, 1, 1. Ah, c'est ça que j'adore, depuis la deuxième génération, tu vois l'augmentation des stats, c'est cool. C'est cool! J'ai que 22 PV, c'est nul. J'ai 14 attaques spé, je crois que ça confirme. Vous avez battu le Chiantos. Wouah! Yori raquette 100 Poké-Dollars devant tout le monde. Trop fort, tu t'appelles Ori, c'est bien ça, t'as trop la classe. Et ton Flamiaou, il est bien cool aussi. Super, demain je vais assurer. Hein? Un instant, Ori. On va me traiter de voleur à cause de la gamine. Laisse-moi regarder cette pierre brillante que tu as là. Je l'ai trouvé. Je vais prendre tacle lourde. Waouh, j'ai pas vu, attendez. Ça change par contre, de plus, le Pokémon adverse est un type plus faible que le tien. Pour l'instant. Tacle lourde, ton Pokémon va être balèze avec son augmentation d'XP. Flambie en feuille. Nom d'un petit bonhomme. Papé, cette pierre. Mon petit Ori. C'est bien Tocorico qui t'a sauvé tout à l'heure. Non, il m'a donné cette pierre. Ouais, c'est un truc. Non seulement il t'a sauvé, mais en plus il t'a donné cette gemme. Je vois. Ta venue à Alola est peut-être un signe du destin. Non, non, c'est ma mère qui a voulu déménager. Accepterais-tu de me la confier pour quelques heures? Je te la rendrai demain. Ouais, pas de problème. En tout cas, tu as toutes les qualifications requises pour devenir dresseur hors pair. J'espère que tu seras là pour le festival de demain, ça me ferait très plaisir. Oh, j'arrive même pas à me balader, quoi. Allez, man, je te raccompagne chez ta mère. Lily, on rentre aussi.
Et garde un œil sur ton petit protégé, c'est pas le moment qu'il se fasse encore la malle. Oui, je vais faire attention. Il a 2 secondes, GG. Bien entendu, Doudou. Allez, viens, et cesse de t'échapper du sac. Ne montre à personne ce Pokémon, ça je me rappelle il y a 10 minutes. Hein. Paf, du flambier en feuille. Oh mon chéri, déjà de retour? Raconte-moi tout ce que... Raconte-moi tout, tu as reçu un Pokémon? J'ai failli mourir, maman, je veux rentrer à Kanto. Montre-le un peu à maman pour voir. Waf waf. J'ai appris à aboyer pour Miaouss. Waouh, comme il est chou! Mais dis-moi, pourquoi tu as choisi celui-là? Parce qu'on avait déjà des croquettes pour le Miaouss, alors je me suis dit, allez hop. Il est mignon. Je vois ce que tu veux dire. Moi aussi, je le trouve cool, ce que Choupi. Aussi cool que Choupi, enfin. Vous formez la paire parfaite, tous les deux. Rien qu'à vous regarder, maman est aux anges. D'accord, la musique du soin, quoi. Bon. Quel splendide coucher de soleil et dire que j'ai tous ces cartons à déballer. Attends, tu veux dire que pendant que moi j'ai risqué ma vie, toi t'as rien branlé? Feignasse! Tiens, Onson, tu veux aller ouvrir, Henri? Yeah. Si tous ces cartons pouvaient rentrer dans des Pokéballs, j'aurais fini mon rangement. Ah, c'est que t'as commencé, c'est bien. Mais bon, là, vu l'heure, on va faire la première coupure de ce stream. Je vous dis à tout de suite, les gens.